Go up.
Coup franc, repoussé des deux points par Sébastien Robert. Quelques minutes plus tard, les Yvelinois se procurent une nouvelle occasion sur cette tête de Kevin Le Bigot, bien captée par Robert. La domination de Poissy se confirme. 22e minute, Koulibaly décale Fabien Radas, la frappe de l'ancien Rouennais est détruite. Mais à la 20e minute de jeu, c'est Poissy qui est proche d'ouvrir la marque. Adadou se présente seul face à son en Huchot. On retrouve Koulibaly à la 55e minute de jeu sur ce tir à plus de 20 mètres qui met Sébastien Robert en évidence. On appréciera au ralenti la superbe parade de Robert qui est à l'image de son équipe en excellente forme. Demouchy s'élance et Robert repousse le plein de pied gauche de Demouchy. Son compteur but à 8 réalisations dans ce championnat. Le Red Star accuse le coup, les Verts et Blancs tentent à créer le danger. Les Odoniens mettent un peu plus la pression devant le but de Sébastien Robert. 4e minute de jeu, les Canaris se montrent les premiers dangereux sur ce tir de Hictois, repoussé en corner. Attention cependant à ne pas se laisser surprendre, il ne reste que 20 minutes à jouer, les jaunes et noirs profitent d'un sursaut de... Minute de ce match. Sébastien Robert se jette au devant de Pierrick Noël. C'est le choc. Les deux joueurs ne bougent plus. Ils sont KO. Le jeu est interrompu et il faudra de longues minutes à Sébastien Robert pour s'en remettre. Pierrick Noël est quant à lui plus durement touché. Il quitte ses partenaires sur une civière. Villemomble devra terminer la rencontre à 9 contre 11. Les deux formations reprennent le match. On est rentré depuis 7 minutes dans le temps additionnel. Énorme occasion pour les Bleus. Mustapha Yatabaré se présente face à Sébastien